Mesdames et messieurs, un plaisir de vous accueillir ici sur l'île Maurice pour le 50 km Dodo Trail de 2022 dans la joie, dans la bonne humeur. Vous êtes à peu près 170, 180 au départ. Le départ, on vous le rappelle, dans 19 minutes. On se commence à bien monter, donc je suis bien motivé. On va essayer de prendre beaucoup de plaisir sur une île que je découvre aujourd'hui. Le parcours est légèrement différent, mais c'est pas grave, la technicité reste la même. La motion tire au règle, on est bien préparé pour ça, et là nous attendons le 40 pour nous aller. Tu vas pouvoir se faire plaisir aussi, lever les yeux pour bien regarder un peu le paysage. Mandali. On a hâte de voir le jour se lever. Le jour va se lever, c'est top. Pour le moment, c'est ok, on verra la nuit d'arrivée où ça va finir. I'm very excited. On a hâte de découvrir surtout, les paysages du duo. C'est déjà dur, on a fait que 16 km. Cuit. La descente pour moi c'était trop dur. 2-3 glissades, tout ça. C'est gras, mais c'est très joli. C'est boueux, c'est dur là. Beaucoup de boue, descente glissante. Non, c'est pas ça. Est-ce que quelqu'un peut me prêter de chaussures à 40 et quelques et à l'arrivée, c'est bon? Il n'est pas. Pour la 10e édition du Dodo Trail, plus de 2000 personnes, plus de 2000 participants sont. Nous devons vous applaudir tous les parcours. Demain aujourd'hui, c'est moi là. Allez, commence. Course magnifique, paysage magnifique, super soleil, belle course. Super, merci. La dernière montée, c'était très rude. Spot magnifique, magique, surtout la dernière bosse, elle se mérite. Arriver en haut, il faut vraiment. J'ai pris le temps, hein, je me suis déjà regardé et tout. C'était un sublime paysage, même avant et tout. This is the best view in Mauritius. Spectacular, absolutely spectacular. Ah, les bosses et les descentes très techniques, beaucoup de boue, beaucoup de caillasses, difficile, avec des racines mouillées, mais bon, la fin sent bon, merci. Mais là, bébé. There's long way. It's not your typical 50k. It's much harder than 50k. Most technical race I've ever run in my life. Il fait troisième sur la course et regardez ça. C'est ça le trail, ça. C'est ça que l'objectif, c'est l'arrivée. Rien à jeter, c'est génial. Je me suis régalée du début à la fin. Vous avez rien enlevé à envier aux grandes. C'était merveilleux. C'est vrai que ça vaut le coup de rentrer dans les terres et de pas rester sur la plage parce qu'il y a quand même des sacrés beaux points de vue, surtout là-haut. La dernière montée, elle est très dure. Mais quand on est en haut, on a une vue juste magnifique. On y retourne demain, non? Anne-Marie Guimonzi dans la troisième position chez les Gazelles sur le 50 km. Bravo Anne-Marie. Je suis marrée heureuse parce que c'est la première fois que je fais 50 km et franchement, je sais pas quoi dire, j'ai pas de mots, je suis marrée happy.